Quels sont les secteurs à développer, selon vous, sur la base de ce que l'on a aujourd'hui, qui existe déjà pour s'adapter à cette réalité qui nous est imposée par cette crise du Covid ? Alors je tire des leçons de ça, parce que qui ne tire pas des leçons de la période de crise n'a rien compris. Et universitaire comme je suis, et mes collègues aussi, donc on travaille là-dessus au niveau du labo et au niveau de l'ENCG, au niveau de l'université Hassan II, je présume que les différents professeurs, ils sont, on va dire pas uniquement les professeurs, les forces vives de la nation, c'est de pouvoir relancer, on va dire, à court et à moyen terme, la consommation locale. Donc, il faudrait s'orienter vers le Made in Morocco, parce que ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Il faudrait qu'on revienne à ça. Alors, le deuxième point qui me paraît le plus important aussi, c'est que nous, notre économie, ou bien la compétitivité et la survie de notre économie, elle dépend d'un plan d'accélération industrielle. Et je pense aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, c'est au niveau de ces secteurs-là, au niveau des secteurs qui sont dans le plan d'accélération industrielle, il faudrait les réévaluer les objectifs et voir comment on peut maintenir au moins les objectifs de ce plan par la suite.